Alors, celle-là, on l'a jamais fait, les amis. Hein. Jamais, jamais, jamais. Voilà un chien rangé. Quand Cynthia, cette belle et charmante jeune fille aixoise... Attends, jeune fille. Elle appuie sur le bouton, montre-nous. Appuie sur le bouton de à côté. Vas-y, appuie là. Non, là, regarde, il est là. Là, vas-y. Voilà, tu claques. Et ben, il se transforme. Il se transforme. Ben non, c'est... Ah là. Comment il s'appelle, appelle-le. Paco. Il se transforme en Paco. Viens voir Paco. Viens, et l'obéit bien. Viens le kiki de tous les kiki. Et voilà. Regarde, ça c'est Paco rangé. Ça c'est Paco ouvert. Paco, tu viens là, c'est un garçon? Ouais, c'est un garçon. Bah voilà, les garçons c'est mal élevé. Nous on était juste à côté chez Boris. Là-bas, tu connais ça? Oui. Le glacier, ouais. Le beau petit camion, je le vois mal. Qui sera d'ailleurs dans Autour du Lac cette année. Vous voyez le camion là-bas? Et on est avec Cynthia, Cynthia. C'est ça, ouais. Pour un moment partagé avec mon toutou. Cynthia, t'es toute bronzée, tu reviens de... Je reviens de vacances, ouais. Voilà, on ne dira pas avec qui, mais enfin, c'est aussi la fille d'un de nos clients en ville. Et on va quand même le citer, non, tu veux pas? Si, je peux. J'étais avec Angèle. Le QG. C'est ça. Les voûtes pour le frangin. Exactement. Et la famille Jiquel en face du casino Grand Cirque. Alors, voilà, Paco est rangé, on est tranquille. Derrière. Alors, je suis en train de filmer. Paco, viens voir ici. Raconte-nous l'histoire de Paco. Il s'appelle Paco? Ouais. Mais pourquoi il s'appelle Paco? C'était l'année d'épée. Exactement. Cynthia, elle est tranquille. Alors, Paco, te voilà. C'est le bon toutou à sa maman? Eh oui. Il a quel âge? Il a 3 ans. Enfin, mais... il va avoir 3 ans cet été. Il est trop mignon. Paco, est-ce que tu peux t'intéresser à nous au moins une demi-seconde? Paco, viens. Il est indépendant? Oui, complètement. Alors, raconte-moi la vie de Paco parce qu'il est trop beau. Comment tu l'as eu? Je l'ai eu parce que c'est une amie de ma maman qui nous l'a donné. Une amie de ma maman, d'accord. Donc voilà. C'est pas un élevage? Non, non, non. Il était tout seul? Il était bébé? Il avait d'autres, ouais, il était tout bébé. Il était non, tout seul. Alors déjà qu'il est tout. Eh ben comme ça. Et ouais, exactement. C'est voilà. Comme ça. C'est ça. Il rentrait, ben, le v'là en bébé et le v'là en gros. En gros, il pèse ouais. Combien? Il pèse 2 kilos. 2 kilos 100. Bah, avec ça, tu le mets dans la boîte à gants? Ah mais il rentre partout, il passe partout. Hein. C'est passe-partout, ça s'appelle comme dans le Fort Boyard. Raconte-moi des bêtises qui t'a fait ou... Non, franchement, il est sage, il en fait pas trop. Si, mais petit, t'as bien fait des bêtises. Bah, pas tant, hein. Il fait caca des fois dans les sur les vêtements ou des trucs comme oh ça. Ouais. Ah. Ça n'avait qu'une fois, mais c'était dégueu. Ah. Ouais. Et raconte-nous donc des choses qu'il te fait tous les jours, c'est des genre les... Mais si, les habitudes. Il a bien des habitudes, il rythme ta vie. Il rythme ma vie, ouais. Il travaille le matin, faut le sortir. Ensuite, je vais au boulot, je rentre le midi, je le sors. Et pareil le soir. Ouais, donc en fait, t'es obligé quand même de rentrer midi, tu vis en appartement. Oui. Et ton job, c'est quoi? Je suis banquière, moi. Waouh, si j'ai besoin de souffle, faut que je vienne te voir. Exactement, ouais. T'es dans quelle banque? Je suis au Crédit Agricole. Bah, c'est bien. Bah, c'est là où je suis aussi. Boîte. D'accord. Une super maison. En tout cas, il travaille très bien. On est bien. Ouais, si on est correct, ils sont corrects. Hein, tout se passe bien. Exactement. Voilà, Paco est rangé dans sa boîte. Voilà. Merci pour ce moment particulier. T'es là au Crédit Agricole, là, à Clémenceau? Non, je suis à Grésy, moi. Ah, Grésy, c'est tranquille. Oui, oui, oui. Ah, mais... À la cascade, tu es. Ouais, exactement. Voilà, merci pour ce moment partagé avec mon toutou Paco. Tu peux le rappeler, ton Paco Del Rio? Paco! Viens, Kiki, viens. Viens, Kiki, le kiki de tous les kikis. Paco. Il t'obéit très bien, je vois. Oui, il arrive, là. Bah alors, Paco, dépêche-toi, quoi, nom de Zeus. Regarde, il s'en fout. Il me voit plus, Paco. Allez, viens. Bah, dis donc, la rubrique va durer 15 ans avec ta petite nièce. Il s'en fout, Paco, de façon... Il fait ce... Voilà. Il adore jouer avec les oiseaux. Il joue avec les pigeons. Mais enfin, il risque d'en prendre une avec les pigeons. Qu'est-ce que c'est que ça, Paco? Qu'est-ce que c'est que ce toutou? Au revoir, Paco. Bon, merci, hein, Cynthia. De rien, plaisir, oui. De ta gentillesse. On remonte pas ta petite nièce, mais qui est bien Mimi. Et puis, perds pas Paco, hein. Non. On le replie, allez, appuie sur le bouton. Tac. Tac, et le voilà fermé. Tu suis ça sur Facebook, Instagram et le site autour du lac du Bourget. Abonne-toi, hein, Cynthia. Merci beaucoup. Bah, merci à vous.